Gérald Batiste, l'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais. Salut Gérald. Bonjour. Gérald, on va faire un petit tour d'horizon de l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que tu pourrais nous dire qui a le plus beau pied droit parmi les attaquants? Le plus beau padois, je pense que ils sont plusieurs, mais il y a Mariano de loin, il frappe fort et précisément. Et puis après, il y a les petits jeunes qui sont là aussi avec des bons pieds droits, Misiane, Amine, Willem. Le plus beau pied gauche, là, c'est dur, il y a un beau duel. Là, il y a plusieurs beaux duels parce que Nabil a une très belle frappe, il est très précis. Bertrand, il a une première touche avec son pied gauche c'est presque un pied gauche de velours. Sur sa première touche, c'est prise de balle. Il est capable d'éliminer en feintant ou en orientant le ballon. Memphis, c'est une frappe forte. Non, non, il y a des beaux pieds gauches. Ouais, donc difficile de Là, choisir. c'est dur. Celui qui a le meilleur jeu de tête. Meilleur jeu de tête, c'est Mariano. Avec un timing qui rappelle un peu Florian Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Non, il monte très haut, il a un bon timing. Il peut prendre l'impulsion de son adversaire et avoir presque une seconde impulsion. Après, une belle armée et frapper, il rabat bien les ballons, il donne beaucoup de force, de puissance au ballon, c'est très intéressant. Le sens du but, c'est Mariano aussi? Mariano, c'est le plus buteur de tous les attaquants. Il est obsédé par le but. Des fois, ça peut se retourner contre lui parce qu'il n'a qu'une envie, c'est d'aller vers le but. De temps en temps, il faut savoir contourner les adversaires. Mais c'est lui qui est le plus orienté vers le but. Le meilleur sur coup franc. Ah, c'est difficile parce que Memphis, c'est sûrement le plus régulier, de près et de loin. Clément est très adroit. Nabil est capable. Et Bertrand a aussi un très bon pied gauche à mi-distance. Celui qui a les déplacements les plus intéressants. Oh, ils ont tous des bons déplacements. Maxwell se déplace beaucoup avec qualité de changement de rythme. Mariano en renard va être très opportuniste et au bon endroit. Non, non, ils ont tous des bons déplacements. Pour arriver à ce niveau-là, ils font un bon sens du déplacement. Et le meilleur dribbleur, c'est Nabil. En dribble, il y a bataille aussi parce que à ce niveau-là, c'est des bons dribbleurs, mais Nabil est très bon dribbleur. Il est capable également de garder le ballon et Bertrand également, grâce à sa première touche de balle qui est exceptionnelle, capable d'éliminer également beaucoup de joueurs dans des surfaces réduites. Merci beaucoup, Gérald. Et tu nous as dit aussi que tu écoutais Tonic Radio le matin dans ta voiture. Oui, Donc voilà, ça c'est avec sympa. plaisir. Merci, Gérald.